Ça, c'est les coulisses hein, du théâtre. Ici, on est dans les vraies coulisses. Ah ouais. Ici. C'est ton théâtre. Du théâtre, voilà. On est derrière le décor. Le public est dans la salle. Ouais. Il est. Non, il n'y a personne là. Ben là, il n'y a personne, mais normalement, il est derrière la salle. Et il est là. Et hop, tu vois, on franchit. Et là, ouais. Sur scène. Et là, il y a même les comédiens qui, quelques minutes avant la présentation, se reposent, se détendent en s'imprégnant de l'ambiance du décor. C'est. Et un coffre-fort. Oui, à quoi il sert ton coffre-fort? C'est une pièce qui parle d'argent. Ah oui. Donc, c'est un sujet très d'actualité. Enfin, je crois. Moi, je. C'est l'affiche. Et voici l'affiche de L'Avare de Monsieur Molière. Avec Monsieur Michel Bouquet. On va essayer de saisir dans sa loge. Ouais. Oui, d'accord. Alors, là, on est. Ah, bah alors. On est, voilà. Vous voyez, c'est les parties de costume. Ah, et au moment où nous montons dans la loge de Monsieur Bouquet, nous croisons qui? Georges Verlaine, qui est le metteur en scène. Alors, monsieur le metteur en scène, ravi de vous accueillir. Quel est l'enjeu pour un metteur en scène de monter l'avare aujourd'hui? Est-ce que l'argent dans notre société est une chose importante? C'est une question, oui, à laquelle vous ne pouvez pas répondre non. Non, on ne peut pas répondre. Eh bien, vous avez la réponse pour laquelle on est obligé quasiment de monter l'avare. On y va? Vous venez avec nous? Vous nous excusez? Mais bien sûr. À tout à l'heure. Nous rentrons dans une intimité importante. Bonjour monsieur. Mais pas monsieur. On m'a dit c'est un comédien immensément célèbre. Ah bon. Et qui joue une pièce qui est immensément célèbre aussi. Oui, c'est beaucoup plus célèbre que je ne peux l'être. C'est une pièce énorme. C'est un des chefs-d'œuvre, à mon sens, à mon avis, un des chefs-d'œuvre les plus incontestables du théâtre. Parce qu'il réunit toutes les formes du théâtre dans sa seule unité. C'est-à-dire qu'on passe de la tragédie, de la comédie héroïque, à la comédie la plus farce, et tout à coup au tragique total, à la pièce la plus, comment dirais-je, la plus domestique et en même temps l'étude domestique des êtres, ouais. De l'homme, des femmes, des vices humains, et en même temps la plus abstraite. Alors, c'est-à-dire très contemporaine, dans ce sens que le sujet écrase même l'action de ce qui se passe, qui est pourtant énorme. Il y a une action énorme dans l'avare. Mais ce qui fait le dessus du couvercle, si je peux dire, de la pièce, qui est le sens... c'est l'argent. Profond. Oui, c'est l'argent. Mais je veux dire, c'est l'argent avec toutes ses conséquences et ce que l'argent fait de l'homme. Et non pas que l'homme a quelque chose à dire. D'accord. À la chose. L'homme est perdu dans son approche de cette abstraction qui est l'or, n'est-ce pas, de cette chose. Donc c'est une pièce extrêmement contemporaine. Très contemporaine, presque beckettienne dans ce sens-là. C'est-à-dire que le sujet emporte l'action, est plus fort que l'action, et l'action est plus forte que les personnages. Et les personnages sont en dessous de ces deux grands témoins. Donc ça veut dire que, est-ce que ça serait la raison de votre envie de jouer aujourd'hui l'avare? Est-ce que vous avez un message à passer dans cette modernité-là? J'ai toujours qu'un message, moi personnellement, à passer. J'ai à être fidèle à ce qu'elle est, à essayer d'en rendre compte, et à essayer d'y parvenir. Mais moi, je n'ai aucun message personnel. La pièce contient tous les messages, oui. Et alors la modernité. Et elle interroge chaque spectateur d'une manière différente, je crois. Elle interroge chaque spectateur, c'est-à-dire elle laisse une liberté totale au spectateur d'en penser quelque chose d'intime. Quel est son rapport à l'argent, à lui, par rapport à lui? Mais c'est une... Et les choses qu'il cache, ou les choses qu'il va montrer, ou qu'il peut montrer.
Et c'est en cela que la pièce est tout à fait... Je veux dire, c'est ce qui explique que cette pièce qui a tenu que cette représentation du temps de Molière, c'est-à-dire qu'il a été obligé de la retirer assez vite car elle ne marchait pas très bien, dès sa mort, elle a été reprise par Armande et la troupe de Molière, et elle a tout de suite fait un succès phénoménal. À quoi est-ce que ça... Pourquoi comment... Et vous expliquez que le succès d'aujourd'hui est dû, pratiquement aux mêmes raisons, à cette résonance que ce problème, cette question-là a dans la société aujourd'hui. Bien entendu. C'est une pièce politique? Non, pas du tout. Sociale? Même pas. C'est... Pourquoi c'est urgent Pourquoi c'est urgent de la jouer aujourd'hui? Mais c'est urgent de la jouer parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est unique dans sa diversité et parce qu'elle est d'une richesse d'invention prodigieuse et que c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors donc, elle mérite d'être jouée pour elle-même. Pour elle-même. Mais ce qu'elle veut dire et ce qu'elle transporte, ce qu'elle fait ressentir aux gens, ça, je me garderai bien de savoir ce qu'ils en pensent très profondément. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils viennent par milliers et par milliers la voir. Et qu'ils sont tous fascinés. Alors il faut croire que ce thème de l'argent les fascine, oui sûrement, mais il y a bien d'autres choses. Il y a la poésie qui s'en dégage, il y a la vérité de ce qu'elle dépeint, la vérité de la vie familiale, domestique, les rapports père-enfant, etc. Enfin, mais l'humanité, beaucoup d'humanité dans cette pièce. Oui, et beaucoup de cruauté. Oui, c'est énormément de cruauté. Mais la vie est humaine et cruelle. Difficile, bien sûr. Mais l'humanité, puisque en fait, j'allais dire presque tout finit bien. Oui, tout finit bien comme par enchantement. Bon. C'est un peu le raisonnement. C'est-à-dire que ça peut très bien ne pas finir mal dans la réalité. Mais par enchantement, c'est par le fait du prince. N'est-ce pas? Elle se termine joyeusement. Mais sur ce qu'elle laisse comme empreinte sur les gens qui la regardent, ça, je me garderai bien d'essayer d'en faire un commentaire parce que je suis persuadé que pour chacun, elle révèle des choses de soi-même qui lui sont propres. C'est un privilège de jouer ça. C'est une grande nouvelle, j'imagine. Ah oui, c'est un privilège, parce que c'est quand même très, très, très extra. Tous les soirs, moi, j'écoute mes camarades qui commencent la pièce, tout ça. Et je me dis que c'est beau, que c'est beau. Pourquoi c'est beau comme ça? Et quelle est la raison pour laquelle c'est si beau? Ça y est.